Bonjour, comment allez-vous? Alors il faut savoir, mesdames et messieurs, que cette vidéo devait sortir il y a déjà pratiquement un an. Je devais vous présenter mon setup en 2022 parce que je ne l'avais pas encore fait. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit, est-ce que je balayerai pas tout ce qui a été fait? Est-ce que je ne referai pas absolument tout mon setup? Et évidemment, bah, c'est ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas réellement eu de vidéo setup en 2022, hormis cette partie du setup que je vous avais montré. C'est vraiment pas encore mon setup de jeu, ni même celui sur lequel je tournais mes vidéos. Et du coup, bah là, ça y est, aujourd'hui, je vais vous le présenter. Alors s'il y a des mouvements de caméra qui vous semble un petit peu étrange, n'en voulez pas à mon cadreur qui n'est pas un cadreur, ce n'est pas une personne. Je suis actuellement en train d'être cadré par un DJI Ronin RS2, il le fait tout seul comme un grand et regarde, viens, on va aller leur montrer mon setup. Je rappelle, hein, voilà, si les mouvements sont un petit peu bizarres, ce n'est pas un humain. Alors vous allez voir que ce setup, c'est un petit peu deux salles, deux ambiances. J'ai mon petit coin où je tourne, où je monte. Et j'ai mon coin rangement où parfois je fais d'autres trucs. J'envisage notamment de me faire un petit coin simulateur de vol, mais bon, ça c'est qu'en projet, je vous en parlerai plus tard. Mais du coup, ici, on est vraiment dans la partie où je crée mes vidéos, on est dans la partie où je fais absolument tout ce que vous voyez sur YouTube. Ah, mon cadreur, il a un petit peu du mal, là. Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, j'ai opté pour un bureau en coin. Donc, il prend ici une surface de 2 mètres et là, 1 mètre 60, il me semble, ou alors 1 mètre 80 et 1 mètre 60. Mais toujours, donc, chez la marque Fully. C'est aussi un modèle Jarvis, comme les bureaux que je prends depuis plusieurs années, hein. Le seul gros problème, ça va être le prix. Bon, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de gros concurrents qui faisaient des bureaux vraiment d'aussi bonne qualité. Maintenant, on a des marques qui ont commencé à émerger, comme Pendesk, par exemple, que j'ai présenté il n'y a pas longtemps dans le setup de Maclo. Mais sinon, bah, il fallait aller voir du côté de FlexiSpot et tous ces trucs-là qu'on trouve sur Amazon qui sont bons, mais ça reste de la qualité un peu moins bonne et surtout où souvent les plateaux sont un petit peu pourris. Ici on est vraiment sur des piétements qui sont de très bonne qualité et sur des plateaux qui sont vraiment cool et surtout qui sont classe. Et donc oui, cette fois-ci j'ai pris un bureau en coin tout simplement pour pouvoir bosser mes vidéos et tout ce que je fais sur YouTube ici directement. J'ai vraiment tout mon setup qui est super bien agencé. En plus j'aime bien le fait d'être un petit peu cloîtré comme ça dans mon espace, de pas avoir un espèce d'énorme espace vide. Et quand je tourne mes vidéos, bah voilà, je me mets ici face à la caméra. Ma petite caméra qui se trouve juste là du coup, et après bah voilà, vous avez tout le background derrière. Je trouve ça beaucoup plus facile, plus pratique, et niveau de l'agencement et de la prise d'espace, c'est beaucoup mieux, parce qu'avant, voilà, j'avais mon bureau dans un coin de la pièce, j'avais mon décor qui prenait absolument tout l'espace. Non seulement ça prenait vraiment beaucoup d'espace, mais en plus de ça, ça laissait aucune place pour aucun rangement. Quand j'ai refait mon setup, c'était vraiment hyper important pour moi d'avoir l'espace de captation, donc avec mon décor, et vraiment l'espace de montage et de travail l'un à côté de l'autre. Histoire déjà de pouvoir bosser de façon vraiment très pratique, genre je tourne ma vidéo, si j'ai envie de la monter direct, bim, je passe sur l'autre espace. Ça me permet également de brancher mes caméras directement à mon PC sans avoir 3 milliards de câbles qui traînent un peu partout, même si c'est quand même le cas, mais ça vous le verrez après. Et surtout, ça me laisse la possibilité d'avoir l'espace qui est là-bas complètement vide pour pouvoir mettre des armoires, des bibliothèques, de quoi ranger plein de matériel. Bref, ça c'était l'explication de pourquoi j'ai agencé tout ça comme ça. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur le bureau et dans tout ce setup. Parce que croyez-moi, du matériel, il y en a vraiment beaucoup. Alors tout d'abord, le PC, vous le connaissez, je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps en vidéo. Intel Core i9-10980XE posé sur une X299 créateur de chez MSI. 128Go de RAM de Corsair Vengeance RGB Pro pour la RAM. Une 3080 Ti Founder pour la carte graphique. 3 Samsung 980 Pro de 1 Tera pour le stockage. Pour le refroidissement, vous le voyez, c'est du Full Water Custom de l'EKWB. L'alimentation, c'est 1250 watts de chez Cooler Master. Le boîtier aussi provient de chez eux, c'est le HAF 700 EVO. Et alors, il est bombardé le ventilo. Enfin bref, si vous voulez plus d'informations sur ce PC, je vous mets le lien qui apparaît quelque part par ici. Pour les écrans, les deux proviennent de la marque MSI. Ça vient de la gamme Creator comme pour la carte mère. Donc ce sont des PS321. Il me semble que celui-ci, c'est le modèle QR, donc c'est un écran 1440p. Et celui-ci, c'est le modèle URV, c'est donc un écran 4K. Ce sont des écrans qui sont faits pour la création vidéo, pour l'étalonnage. On a des images de belles couleurs. Vraiment des écrans qui sont taillés pour l'édition photo, vidéo, image de manière générale. La version 1440p, je l'avais reçue d'MSI et j'ai tellement kiffé que j'ai pris aussi une version 4K. Ça me permet de bosser directement dans ma timeline sur la version 1440p et d'avoir mon rendu final ici en 4K. Parce que comme vous le savez, je sors mes vidéos en 4K, donc même si la plupart d'entre vous ne regardent pas sur des écrans 4K, c'est quand même important pour moi d'avoir quelque chose de fidèle à ce que je suis en train de faire. Vous montez des vidéos en 4K sur un écran 1080p, hein. Et j'en suis très content. Ils sont posés tous les deux sur un bras que j'ai acheté sur Amazon. Je ne me souviens plus de la rêve, je vous la mettrai en description. C'est un bras double sur lequel les deux écrans sont posés. Je peux les manier un petit peu comme je veux, les bouger, les... Oh, mais pas trop non plus parce que j'ai un petit peu cloisonné mon setup là. Mais si je veux, voilà, je peux un petit peu les bouger comme ça, les orienter. Mais en soi, moi, ils me vont très bien comme ils sont là. La raison pour laquelle j'ai acheté ce pied pour les soutenir tous les deux, c'est pas pour pouvoir les bouger, c'est juste pour gagner de la place ici en dessous, pour pas avoir les deux gros pieds qui non seulement sont
pas super beaux, mais qui en plus prennent de l'espace. Et du coup, voilà, ici, ils sont surélevés tous les deux, et je peux mettre ma table son et mon stream deck juste en dessous. Mais bref, j'ai plus la rep du pied, je vous le mets en description, ce sera un lien Amazon. D'ailleurs, tous les objets que vous allez voir ici, je vous mettrai les liens en description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des objets que vous avez vus et que je n'ai pas indiqué, voilà, pour que je puisse les rajouter à la description. Et au passage, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire, ça soutient, ça fait plaisir. Pour le clavier, on est sur le K100R de chez Corsair. Je suis resté pas mal sur le Logitech G915, mais voilà, quand j'ai reçu celui-ci, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne et j'ai vraiment kiffé. Je dirais pas forcément qu'il est meilleur que le G915, parce qu'il y a quand même pas mal de features qu'on retrouve sur le G915 qui sont, je dirais pas manquantes, mais placées un petit peu différemment et qui, sur certains points de vue, me conviennent moins. Mais par contre, le clavier, dans sa forme, son esthétique, son ergonomie, me plaît vachement plus. Déjà, ce low profile ultra fin, moi j'adore ça. Faut savoir que j'écris beaucoup, je traite beaucoup de textes, que ce soit pour rédiger des mails, pour le projet du manga que j'ai en cours, pour plein d'autres raisons, même pour parler avec mes potes sur Discord. Je passe beaucoup de temps à écrire et surtout à bosser sur ce PC, parce que c'est pas un PC de jeu, hein, même si parfois ça m'arrive de lancer un jeu, ça m'arrive de me faire kiffer ou quoi, même en stream. Donc ouais, je le kiffe vraiment et pour l'instant il me convient. Peut-être qu'un jour je repasserai sur le G915, je sais pas, mais en tout cas actuellement il me fait kiffer. La souris, ça fait pas mal de temps que je l'ai, hein, ça fait bien longtemps, la MX Master 3 de chez Logitech. C'est une souris qui est vraiment faite pour bosser. Elle n'est pas du tout taillée pour le jeu, hein, que ce soit dans son ergonomie, ses fonctionnalités avec la petite molette ici, l'autre là. On n'a aucune possibilité de monter ou de descendre son DPI directement via un raccourci dessus. En plus de ça, le DPI de cette souris n'est pas forcément très haut, puisqu'on n'est pas sur quelque chose qui doit performer, on est vraiment sur une souris pour bosser, mais je l'adore vraiment pour tout. Son ergonomie, sa qualité de fabrication, sa texture qui est très bonne, ses raccourcis, elle me fait vraiment kiffer depuis plusieurs années. Le tapis qui est en dessous, c'est également un tapis de chez Logitech, full noir, un tapis XL qui couvre tout pour protéger mon bureau surtout. Il est un petit peu dégueulasse, il faudrait que je le lave, c'est vrai, mais malheureusement ce genre de truc ça se met pas à la machine à laver. Il faut le nettoyer à la main, c'est ce que je fais de temps en temps, mais je vous avoue que j'ai pas envie de le faire toutes les deux semaines non plus. Et bon, bah voilà, je bosse dessus, ça m'arrive de grignoter devant, de boire devant, m'arrive de... Ici, la grosse table son, c'est une Rodecaster Pro 2. Ça reprend un petit peu le basique d'une Go XLR que j'avais avant, qui était très bien. Sauf qu'ici, il me fallait une carte son qui est plus d'entrée XLR. Pour la Go XLR, on a la possibilité de brancher qu'un seul micro. Il y a moyen, évidemment, de splitter, mais du coup, on ne peut pas diviser les canaux. Ici, j'ai 4 canaux différents pour les 4 micros. C'est bien, par exemple, pour le format podcast que j'avais commencé avec les French Hardware il y a quelques mois, souvenez-vous. Dites-vous que j'avais acheté cette carte son juste pour ça, en me disant, je vais commencer un format podcast. Juste à côté, le petit Stream Deck Plus que j'ai reçu d'Elgato. Avant ça, j'avais un Stream Deck XL que je ne remplissais pas totalement, donc je comptais de toute façon repasser sur un Stream Deck standard pour gagner un petit peu en place, et finalement ils ont sorti celui-ci, ils me l'ont envoyé, je kiffe. Le setup micro, alors on est sur un Shure SM7B, comme c'était déjà le cas depuis quelques années. Ça fait bien longtemps que j'utilise le Shure SM7B pour mes vidéos, pour le stream, pour tout, et je kiffe ce micro, il n'y a rien à dire. Le micro d'Elgato me fait kiffer aussi, mais celui-ci, ça reste mon préféré, quoi qu'il arrive. Par contre, pour le bras, j'ai le Wave Arm Low Profile de chez Elgato. Super pratique, parce que du coup, voilà, je l'ai ici, il n'est pas devant ma tronche au niveau des écrans, je peux passer mes bras en dessous pour écrire et tout, pour utiliser mon clavier, ma souris. Vraiment super modulable, en plus de ça, il y a un cache-câble. Bon, je ne vais pas vous le représenter, mais voilà, pour moi, son seul défaut, c'est que les cache-câbles, ils sautent tout seuls parce qu'ils sont aimantés. Alors, le gros avantage de setup micro avec ce bras et tout, c'est que tout est super modulable. J'ai pas à commencer à tout changer. Par exemple, voilà, ici, je bosse sur mon PC pendant un petit moment. Et puis, d'un seul coup, voilà, je décide de passer au setup de tournage. Je bouge mon bras comme ceci, mon micro comme ceci, et c'est bon. Voilà, évidemment, vous avez pas le cadrage réel que je mets en vidéo. Hein. D'habitude, c'est beaucoup plus serré. On ne voit pas mes écrans, la caméra est un petit peu plus basse. Bref. Et du coup, vous voyez, je peux passer d'un setup à l'autre super facilement sans m'emmerder, sans commencer à devoir tout bouger. Et c'est vraiment ce que je voulais. Avant, sur tous mes setups, même dans mon ancien appart, je devais commencer à tout bouger, à me lever, à aller là-bas, bon. C'est bien, ça fait faire un petit peu de sport, hein, pourquoi pas. Mais là, du coup, c'est vachement plus pratique de travailler dans ces conditions-là, c'est vachement plus plaisant, optimiser, c'est important, moi, d'optimiser mon temps. Et ce genre de petites choses, même si ça paraît anodin, ça fait gagner un temps fou. Ne pas devoir toujours tout bouger, ne pas devoir toujours passer d'un setup à l'autre. Si tu fais une vidéo de temps en temps, ok, mais si tu fais une ou deux vidéos par semaine, c'est vraiment super important de tout optimiser au niveau du temps. Autrement, bon, bah, le cable management est fait, il reste peut-être un ou deux câbles qui traînent parce que je me suis pas encore décidé à les fixer convenablement, ou alors parce que je préfère les laisser comme ça, vu que c'est quand même un setup qui monte et qui descend. Hein. Ça reste un bureau assis debout, donc voilà, si je décide de le monter, je peux. Et si j'ai envie de le redescendre, bah, je peux aussi. Évidemment, il peut monter bien plus haut. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais pour le casque, c'est un Beyer Dynamic DT
GT770 Pro, j'utilise ça ou alors des Sennheiser HD25. Ce sont deux très bons casques pour le monitoring, pour monter des vidéos, pour plein de choses. Ce ne sont pas des casques gamers, ils sont pas faits pour ça. Bon, vous pouvez, hein, vous n'aurez pas de soucis à utiliser ce genre de casque sur un jeu, ça ne changera pas grand chose en vrai. Juste qu'il n'y a pas de travail au niveau des basses pour les jeux, il n'y a pas de spatialisation du son, il n'y a pas de 7.1 ou quoi, je sais pas quoi. C'est vraiment des casques qui reproduisent le son à son état original pour pouvoir le travailler au mieux. Et donc l'HD25, je les prends surtout quand j'ai des déplacements pour des tournages extérieurs ou quoi. Le DT770, il reste ici au bureau. J'ai pas pensé, mais vous avez peut-être envie de voir tout ce qu'il y a ici, tout ce beau bordel. Tout d'abord, ici, la petite statuette de chez MSI pour fêter les 35 ans de MSI, mais aussi, voilà, nos quelques années de collaboration. J'étais vraiment super content. Je l'ai toujours gardé, je me suis dit qu'un jour si j'avais un décor comme celui-ci, je l'exposerais. J'ai quand même pas mal d'affect pour cet objet dans le sens où MSI, on a collaboré pendant pas mal de temps ensemble, ils m'ont beaucoup soutenu sur plein de projets depuis pas mal de temps déjà. Surtout depuis la période Covid où voilà, ils savaient qu'on devait produire du contenu, donc ils ont pas hésité à nous soutenir, à nous balancer plein de trucs. Et aussi bon, bah, des gens avec qui j'ai bossé chez MSI durant toute cette période, avec qui je me suis super bien entendu, avec qui on l'a bien déliré. Mais en tout cas, voilà, cette statue représente un petit peu tout ça, tous les événements qu'on a fait avec MSI, tous les délires qu'on a eu et tout. Non, vraiment, au-delà du fait que ce soit un objet assez collector, je dirais pas unique, mais voilà, collector, c'est vraiment un objet que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup d'affect. Juste à côté, la tête de Rassalos qui m'a été faite par l'artiste Amélia, une artiste sculpteuse, donc, qui fait ça à la main, tout est en résine. Il n'y en a pas énormément qui ont été faites, je crois qu'il y en a moins d'une dizaine. Tout a été fait à la main, et bon, faut savoir que moi, Monster Hunter, c'est une licence que j'adore, c'est l'une de mes licences favorites, si pas la licence que j'aime le plus. Et le Rassalos, c'est un monstre emblématique de cette licence, et là, clairement, la figurine est beaucoup trop belle. Pas évident à cadrer correctement, mais voilà, je vous la montre comme ça un petit peu, elle est vraiment giga belle. Ici, on a un objet qui a une histoire un petit peu particulière aussi, la petite Game Boy Advance SP édition Kyogre, hein, donc de la génération Ruby Saphir. En fait, il faut savoir que quand ces consoles sont sorties, j'avais, je sais pas, 10, 11, 12 ans, et donc je voulais absolument celle-ci, et le truc, c'est qu'à l'époque, en fait, il y avait des magasins en Belgique qui s'appelaient Photo Hall, et à côté de chez moi se trouvait le Photo Hall, le magasin où il restait le seul exemplaire en Belgique de cette version-là. Le seul où on nous a dit qu'il en restait, c'était ce photo-là, à côté de chez moi. Donc, mon père a appelé pour dire, voilà, on aimerait venir chercher cet exemplaire-là, est-ce qu'il y a moyen de le réserver? Ils nous ont dit, ok, pas de souci, on vous attend. Mon père ne donne pas de nom, hein, ça s'était fait assez à l'arrache, et il dit, voilà, on va venir le chercher avec mon fils. Et donc, on sort de chez moi, on fait 3, 4, 5 minutes à pied, c'était vraiment à côté, on arrive devant le magasin. Et puis, d'un coup, je vois un daron qui sort avec son gosse avec la version que je voulais, cette Game Boy-là. C'était un grand coffret avec la Game Boy, une housse de rangement et le jeu. Et du coup, moi, je vois ça, bon, j'étais assez jeune, mais je me dis quand même, aïe, 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 ça pue un peu, non? Donc, on arrive chez le vendeur et on dit, voilà, on aimerait prendre la version Kyogre de la Game Boy Advance SP. Et là, le vendeur, il nous dit, ah, bah, désolé, elle vient de partir à l'instant, elle avait été réservée et tout. Et là, moi, je me souviens que je me décompose et mon père qui dit au vendeur, mais attendez, j'ai appelé il y a quelques minutes pour réserver, vous m'avez dit ok. Et là, le vendeur, il regarde son collègue en mode... merde. Et là, mon père, il fait oui, oui, c'est moi qui avais appelé. Et là, le vendeur, il se met une main comme ça en mode merde, bordel, qu'est-ce que j'ai fait? Et il nous explique que ce monsieur est rentré avec cet enfant dans le magasin. Comme on n'avait pas donné de nom pour réserver, bon, bah voilà, il y avait pas de réservation réelle, enfin attribuée à un nom. Il a demandé donc cette Game Boy et le vendeur lui dit ah, c'est vous qui avez appelé pour réserver avec votre fils, du coup. Et apparemment, le mec lui a dit oui, oui, c'est moi. Et bon, bah du coup, effectivement, ils ont fait la boulette, c'était trop tard, le gars était déjà parti avec son gosse et il allait pas lui courir après en mode « Ah non, non, c'est pas pour vous et tout », c'était vendu. Et bon, bah tant pis, je prends ma Game Boy Advance SP en classique, en noir. Et là, le vendeur, il me dit « Bon, bah, comme on a merdé sur le coup, on t'offre le jeu Saphir qui normalement venait avec. » Donc finalement, je n'ai payé que ma Game Boy, j'étais très content. Bref, c'était la petite anecdote, et sachez que celle-ci n'est pas une originale, puisque l'original coûte vraiment très 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 cher en neuf. Mais c'est une custom, c'est mon pote Cabri. Qui a tout refait. Il y a moyen d'acheter des kits avec cette coque-là, et voilà, il a refait la coque, il a ajouté une batterie plus puissante que la précédente et qui se consomme mieux. Et il a également changé l'écran, c'est un écran LED dedans qui s'éclaire donc beaucoup mieux que l'original. Bref, c'était la petite histoire. Ici, on a une Game Gear, qui est aussi une console que j'ai kiffé de ouf quand j'étais gosse, qui a également été custom par Cabri, parce qu'en tout noir, je la trouve... pas super jolie, hein. Bon, elle est classe, mais voilà, dans mon setup, je trouve que ça aurait fait un petit peu fade, surtout avec le mur noir. Donc, je lui ai demandé de me la custom, et il me l'a complètement changé ici. Il a changé la coque, il a changé l'écran, les boutons, et je la trouve bien jolie comme ça. Pour le reste, bon, bah, mon petit néon que je me suis fait faire, l'horloge Coca qui me suit depuis plusieurs années. C'est pas l'original, parce que l'original, je l'ai malheureusement cassé il y a un petit moment. Mais donc, j'en ai racheté une, exactement la même.
juste en dessous, mon cadre YouTube, mon trophée des 100K, qui est l'un des objets dont je suis le plus fier, probablement l'objet dont je suis le plus fier. Dessus, il y a une petite ref, peut-être que certains reconnaîtront, c'est pas juste un collier en forme de cœur, non, non, ça représente la détermination, en fait, dans le jeu Undertale, qui est un jeu que j'ai kiffé aussi, c'est vraiment un des jeux qui m'a le plus marqué depuis 10 ans, peut-être. Et en fait, oui, ce petit cœur rouge représente la détermination, et de la détermination, j'en ai eu besoin pour l'avoir, ce trophée, hein, parce que j'ai quand même patiné pendant pas mal d'années avant que ma chaîne ne décolle vraiment. Et donc voilà, c'est ça la symbolique. Pour le reste, bon, bah, une petite enceinte Marshall pour écouter du son et que je trouve joli. Un potichat steampunk, ça ne représente rien de spécial, je le trouve juste joli, donc voilà, je l'ai mis là. Et à côté, ma petite borne d'arcade, ma bar top, que j'avais présentée en vidéo, que j'ai fait entièrement moi-même. Elle n'est pas encore terminée, je ne l'ai pas beaucoup retouchée depuis, vous pouvez voir qu'il y a quelques trucs qui sont un peu dégradés, il y a d'ailleurs, enfin, que j'ai commencé à bosser et que j'ai pas terminé. Avec quelques petits essais dessus, hein, il y a des trucs qui ont fonctionné, il y a quelques trucs qui n'ont pas fonctionné, mais voilà, en tout cas, j'ai essayé de faire des choses dessus. Je garde à l'esprit qu'elle n'est pas terminée, je veux encore l'améliorer, je veux la rendre plus belle. Là, c'est encore vraiment à l'état très brut. Hein. Il y a des choses ici qui sont pas encore terminées. Il y a des trous dans la peinture, il y a des trous directement dans le bois que je dois reboucher. Bref, pas mal de choses que je dois refaire. Il y a pas mal de choses, en fait, comme ça, dans mon setup que j'ai envie de faire, que j'ai envie de continuer. Parce que pour moi, un setup, ça continue, ça évolue tout le temps, hein, ça ne se termine jamais réellement. Mais pour lesquels j'ai pas forcément de temps, et c'est pour ça que maintenant, je passe à une vidéo par semaine, histoire de me donner plus de temps pour travailler ces choses-là. Ici, toujours chez Govi, une barre qui projette de la lumière bleue sur le mur pour donner ce petit contraste, cette petite luminosité en vidéo. De l'autre côté, c'est pareil, j'en ai une qui fait pareil en magenta. Et alors derrière, j'ai une espèce de petite lampe de table, une petite coupole qui sert juste à casser un petit peu les lumières que j'ai mis, le bleu et le rose, enfin le cyan et magenta. Ah oui, et j'ai oublié deux choses très importantes. Déjà ici, ma petite planche que m'avait offert Corsair, donc avec la résine époxy. Ah, mon cadreur fait un petit peu n'importe quoi là. Donc ça pareil, c'est un truc qui m'a été offert par Corsair, qui est une marque que j'affectionne beaucoup, et bon, bah, il n'y a pas énormément de gens qui l'ont. Donc voilà, je me disais que je devais l'exposer aussi, et je trouve que ça passe plutôt pas mal avec la petite lumière bleue derrière. Et puis, la dernière chose que je devais vous montrer, mon siège, le petit Herman Miller de chez Logitech. C'est cool d'avoir de l'Herman Miller, c'est cool d'avoir un siège ergo de cette qualité, hein, franchement. Le fait que ce soit du Logitech, bon, j'aime bien la marque, c'est vrai, mais pas au point de prendre un siège juste parce que c'est Logitech, mais je trouvais quand même qu'il était très beau, hein, avec ce, voilà, ce noir et ces petits détails en bleu. L'esthétique a beaucoup joué. Bon, d'abord, je voulais un siège ergo, ça c'était sûr. Un siège gamer dans mon setup de jeu, hein, et un siège ergo dans mon setup pour bosser, parce que l'un ne fait pas le même taf que l'autre. Et bref, celui-ci, ça a clairement été un caprice parce que j'aurais pu trouver aussi bien pour moins cher. C'est juste que je l'ai trouvé vraiment beaucoup trop beau. Certes, chez Herman Miller, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de qualité, mais voilà, c'est pas 1 400 €, ça les vaut clairement pas. Maintenant, passer à tout ce qui est éclairage et matériel vidéo du setup, parce que c'est quand même très important. Hein. Ça a beau être un setup, gaming, tout ça, c'est quand même surtout un setup dans lequel je fais du YouTube. Donc, vous les avez sûrement vus, mais ici, en éclairage, pour le stream et un petit peu d'appoint quand je fais mes vidéos, dès qu'il aille de chez Elgato. Pour streamer, c'est très bien, c'est très pratique. Hein. Regardez, il y en a une là et une là. Mais voilà, les Keylight me servent, comme je l'ai dit, surtout à streamer. Quand je fais des vidéos, j'en allume une, celle de l'extrémité ici, juste pour avoir une petite ombre, enfin un petit reflet lumineux ici sur la gauche, comme ça, ça me détache légèrement du fond. C'est pas du tout nécessaire, mais ça donne un petit style et j'aime bien. Il y a mon néon aussi qui me sert d'éclairage de détachement, hein, qui me détache du fond. En fait, chaque petite lumière que vous voyez en arrière-plan, c'est non seulement pour décorer le mur, mais aussi pour me détacher un petit peu de ce fond, que je n'ai pas, que je donne pas l'impression d'être complètement encastré dans le décor. Et alors maintenant, on va passer de l'autre côté du setup, comme ça je vous montre bah, le reste de l'éclairage, même si on n'a pas énormément non plus. L'éclairage, c'est un point sur lequel je dois encore pas mal bosser. D'ailleurs, toi, je sais pas du tout pourquoi tu t'es retourné comme ça, mais bon. Mais en tout cas, je vais vous montrer actuellement le petit éclairage que j'utilise pour faire mes vidéos YouTube. Donc, c'est très simple. Il y en a deux. Ce sont des Falcon Eyes. On en a une ici qui est sur ma gauche quand je tourne mes vidéos en face et une sur la droite. C'est important pour moi d'avoir quelque chose qui soit pas à même le sol parce que voilà, j'ai déjà un trépied. Avant ça, je mettais mes deux lampes sur trépied. Ça faisait beaucoup de bordel devant le bureau. Ça faisait des câbles en plus qui traînaient que j'avais du mal à attacher directement. Là, voilà. Je les ai fixés directement sur les armoires. L'avantage de ces lampes, c'est leur diffusion qui est vraiment super bonne, qui est super plate. Leur lumière qui est modulable facilement, hein, que ce soit la balance de couleurs ou alors l'intensité. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que je peux les régler tous les deux sur le même channel, sur le même canal. Donc voilà, si j'en augmente une, l'autre va augmenter aussi en même temps ou se diminuer en même temps. Donc étant donné que moi, je filme en basse lumière avec une caméra qui prend les basses lumières, je vous en parlerai après. Je les mets vraiment très très basse, je les mets à 5%, c'est plus que suffisant. Ça me permet d'être un petit peu éclairé sans que ce soit trop, sans que ça explose la rétine et que je sois complètement brûlé. Et aussi, ça me permet de pas avoir trop de projections de lumière blanche sur
toute la lumière que j'ai en arrière-plan, que ce soit le néon, que ce soit la borne d'arcade ou les Govi, parce que sinon ça les écraserait complètement, on verrait plus trop. Donc voilà, ici l'idée c'est d'avoir un fond qui est bien lumineux, qui est bien coloré et d'être moi assez éclairé sans venir taper dans le fond. Mais voilà, les Falcon Eye sont bien, mais pour ce que je fais ça commence à devenir un petit peu limité. Je pense me réorienter vers quelque chose d'autre. J'ai déjà pas mal de petites idées. Vous pouvez voir ici que j'ai fait quelques petits cable management ici avec des petites goulottes et tout. C'est pas incroyable, mais au moins ça cache un peu. Bon, il y a des trous dans l'armoire, hein. Force de visser des trucs dedans et puis de me dire non, je suis pas satisfait, de les enlever. Bon, côté vidéo, on a ici une première caméra. C'est une Sony ZV-E10. C'est celle que j'utilise pour faire mes streams. Dessus, un objectif Sony, le 24-70. Super bien aussi pour faire de la vidéo. Je l'ai fixé sur un bras mural Elgato, ce qui me permet non seulement d'éviter un trépied en plus, mais en plus de ça, de pouvoir la positionner comme je veux. Elle est auto-alimentée ici en USB-C, pas besoin de batterie, elle s'alimente en continu. Et alors, il y a aussi un câble HDMI qui vient directement se connecter ici au câble Link Pro du PC. Comme ça, je peux m'en servir pour streamer. J'ai 4 caméras qui sont branchées directement sur le câble Link. Celle-ci, je pense que je vais la faire sauter parce que c'est celle que j'utilise le moins maintenant, que je n'utilise pratiquement plus. Normalement, ici, c'est le A7S3 qui me filme comme ceci. Les plans de face que vous voyez dans toutes mes vidéos, c'est fait A7S3. Bon, là en l'occurrence, le A7S3 il est en train de me filmer, donc actuellement j'ai mis le A7IV juste pour vous illustrer un petit peu comment je fais pour me filmer en vidéo. Et donc là, on a l'A7IV qui est pratiquement d'aussi bonne qualité que le A7S3, c'est juste qu'il est moins fait pour gérer les basses lumières. Comme vous le voyez ici, je suis dans un studio où certes il y a des points d'éclairage un petit peu partout, mais où la lumière est pas très très forte. Je préfère filmer en basse lumière et monter un petit peu l'ISO pour avoir quelque chose qui est quand même assez vif au niveau de la luminosité, mais qui ne tape pas non plus trop dans les couleurs. Et donc voilà, généralement j'ai la 7S3 ici qui est directement reliée au câble Link Pro avec un câble HDMI qui est aussi connecté à une batterie fake pour toujours être alimenté sans que je doive recharger la batterie. Le trépied sur lequel c'est mis, c'est un Manfrotto 290. Il est très sympa, c'est un petit pied d'appoint qui coûte pas ultra cher, qui est facile à moduler. Moi, il me fallait juste quelque chose que je fixe ici. Et alors pour les objectifs, celui qui me filme actuellement, c'est un 24-105 de chez Sony qui est stabilisé. Et celui-ci, pour mes plans en vidéo, c'est un 35mm qui ouvre à 1.8. Celui-là, je l'ai pris voilà parce qu'il est très polyvalent, parce que je peux zoomer assez facilement et assez loin. Et vraiment, pour la vidéo, il est excellent. C'est un monstre, même s'il coûte quand même assez cher. Mais clairement, il les vaut. Bref, normalement ce A7IV, vu qu'il est pas là, il est branché ici sur un autre petit bras Elgato pour pouvoir filmer ce setup quand je suis en stream ou alors en vidéo en train de vous manipuler un produit pour vous le montrer, ou alors même le setup qui est juste à côté, celui où je fais ma bench, il permet de faire de beaux plans et sans pour autant avoir un trépied qui prend de la place au sol. Enfin bref, je vais pas vous réexpliquer, mais en gros il est filmé ici, pareil avec une petite batterie. Et alors là vous ne le voyez pas, mais il y a un câble HDMI qui me permet de le relier jusqu'au PC là-bas. Et alors là on a une autre caméra qui est le Sony A6600, qui lui aussi est branché sur batterie et sur HDMI, et en fait qui vient filmer directement en vue de haut les unboxings que je fais. C'est pour ça que je vous dis que la caméra là-bas elle va virer, c'est que celle-ci est venue remplacer. Je trouve ça mieux de faire des unboxings sur fond blanc ou enfin fond uni en tout cas, et avec une meilleure lumière. D'ailleurs pour ça que j'ai mis ces petites lumières ici qui peuvent venir éclairer ce que je fais. Elle est pas trop chargée donc je peux pas la mettre beaucoup plus fort, mais normalement ça éclaire plus fort. C'est monté donc ça s'enlève et se remet très facilement, et dès que j'ai plus de batterie, voilà, je viens les brancher ici sur USB-C, qui sont reliés à une power bank juste au-dessus. Donc voilà, j'ai mon petit système un petit peu bordélique avec un petit peu de câble, mais qui me permet de tourner assez facilement, de faire des unboxings très facilement, des montages PC très facilement. Ici, j'ai un Atomos Ninja 5, qui, je sais pas s'il est branché. Il est directement relié à cet appareil, comme ça, quand je fais mes tournages, je peux directement avoir un retour et record dessus. Parce que ici, avec le petit écran, c'est difficile de voir, vu qu'il est un petit peu incliné, il est petit. Donc je vois pas forcément si mes boîtes sont bien cadrées. Niveau cable management, c'est pas encore top, hein, ça me pendouille encore un petit peu par-ci par-là parce que je dois repeindre un peu le mur ici sur lequel j'ai foutu plein de bordel, j'ai fait des trous. Et donc voilà, ici pour l'instant c'est vraiment la zone qui est en cours d'expérimentation. Je vais voir si ça me convient bien, je vais voir si c'est comme ça que je veux la garder. Mais en tout cas pour l'instant ça fait bien le taf. On va maintenant passer à la zone qui se trouve là-bas, c'est la zone magique où je range absolument toutes mes boîtes. Où j'improvise des petits trucs, je sais pas. C'est l'espace un petit peu rangement, un petit peu détente, et c'est également un espace qui est voué à devenir un espace très RGB. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, il n'y a pas encore toute la déco que je veux, parce que ça prend du temps. Savoir qu'à mes yeux, un setup, c'est jamais réellement terminé. Là, voilà, je me décide à vous montrer, mais qu'à mes yeux, il n'est pas encore terminé, qu'il y a encore pas mal de choses que j'ai envie de faire dessus. C'est parce que pour moi, un setup, voilà, ça se travaille, ça évolue. Au fil du temps, des nouveautés, des goûts surtout. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites décos, hein, ici des illustrations de Naha, de Shane. Mais en gros, ici, voilà, c'est le coin où je range tous mes trucs, où j'ai mes boîtes de composants, que ce soit les cartes graphiques, que ce soit les cartes mères. Il y a de la RAM, j'ai également plein de périphériques ici. Et ouais, dans toutes ces armoires, dans toutes ces bibliothèques, il y a des processeurs, il y a des cartes graphiques, il y a des water cooling. Par exemple, voilà, ici, j'ai une petite box de rangement
où je mets toutes les vis pour les PC, les compartiments pour les ventilateurs, pour la carte mère, les câbles SATA, il y a voilà, des hubs USB, des petits zip ties, des cam link. Ah oui, il y en a deux là-dedans. D'accord, ok, je garde des cam link comme ça, je savais même pas. Il y a du matos de cable management à gogo, il y a des périphériques ici. La 6900 XT, je sais pas ce qu'elle fait là, elle a rien à faire là. Bref, toutes ces armoires sont remplies de plein de choses que j'utilise, j'ai même une machine à café, un petit frigo que je n'utilise pas du tout. Hein. Ma tablette graphique, mes micros, là j'ai encore des compartiments de rangement. Là j'ai tout le matériel pour du water cooling custom. Ici c'est du gros bordel, bref. Et ici c'est pareil en fait, tout du matériel vidéo. On va retrouver notamment là des objectifs, tout ce qui est matériel de stabilisation. Alors j'ai quelques trois axes et support épaule, ici un micro, un ancien petit Lumix que j'avais, je crois que c'est le LX15. Mon GH5S qui m'avait été prêté par Panasonic quand j'étais ambassadeur Lumix, qu'ils ont jamais repris d'ailleurs. Hein. Je suis plus ambassadeur pour eux depuis maintenant 3 ans, je crois, et je l'ai toujours, donc voilà. Motus et bouche cousue, hein. Ici, tout ce qui est batterie, en dessous, j'ai tout ce qui est GoPro, DJI Mavic, bon bref. Par contre, il y a beaucoup de bordel ici, ça, je dois acheter des compartiments pour les ranger, parce que tout comme ça, étalé, c'est vraiment pas pratique du tout pour retrouver ce que je veux. Disons que c'est un bordel organisé. Je sais où sont mes batteries, je sais où sont mes objectifs, je sais, voilà, que ici, j'ai ma petite clé pour tout ce qui est socket et tout, tout ce qui est micro sans fil, casque et tout, bref, je sais où se trouve quoi. C'est juste que voilà, là c'est vraiment étalé comme du bordel, donc je dois acheter effectivement des compartiments pour le rangement. Mais sinon voilà, cet espace, il est là pour emmagasiner un maximum de matériel. En fait, pour vous imaginer un petit peu, pour ceux qui se souviennent de la vidéo que j'avais faite du setup de mon monteur Ernesto quand il bossait ici, c'était juste là. Moi, j'avais mon setup juste là. Ce qui fait qu'on avait un setup ici, un setup là, les armoires ici, elles étaient là. Là-bas, il y avait le setup pour tourner des vidéos, donc juste le meuble avec le bar et tout, ça prenait énormément de place pour rien finalement. Et en fait le bureau ici je le garde, à la base c'était pour poser des trucs dessus et tout, mais bon j'en ai marre du bordel donc je le fais plus. Mais voilà, ça pour l'instant c'est posé là, mais je le bougerai de là, parce qu'ici comme je l'ai dit je vais me faire un simulateur de vol. Donc ici je vais sûrement acheter un deuxième Odyssey G9, hein, puisque j'en ai un autre dans ma chambre qui sert dans mon setup de jeu. Et pour tout ce qui est simulation voiture, pour Microsoft Flight Simulator aussi, simulateur de vol, pourquoi pas plus tard pour Star Citizen aussi me mettre des petites joysticks, hein, voilà, j'ai vraiment envie de faire de cette zone la zone simulation. Mais enfin bref, bah je pense que vous avez à peu près tout vu, hein. Évidemment je vais pas vous montrer un par un tout le matos qu'il y a dans ces armoires parce que ce serait beaucoup trop long, mais sachez qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Après faut savoir aussi que je me déleste beaucoup de ce que j'ai, je ne garde pas tout pour moi, je donne souvent à des proches, je fais souvent des concours sur ma chaîne Twitch, hein, sur la chaîne YouTube j'en fais peu, et sur Twitter et Instagram pareil, je le fais souvent sur Twitch. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, Discover ID sur Twitch. Mais ouais, finalement je conserve très peu de choses dont je n'ai pas besoin parce que pour moi ça ne sert à rien. Et puis ça fait plaisir à des gens d'offrir et ça évite que des gens achètent alors que moi j'ai ça ici qui est en train de stagner, de reposer. Du coup voilà, cette zone va être beaucoup plus décorée, j'ai déjà mes petites affiches, j'ai déjà mes petites lights Govi ici et là, je vous mettrai tous les liens en description, que ce soit des lights qui sont ici, des lights qui sont là-bas, de tout le matériel que j'ai, bon évidemment pas individuellement tout le matériel que j'ai ici dans mes armoires, hein, ça c'est mort, ce serait beaucoup trop long de faire l'inventaire de tout ça et de tout mettre en description. Puis ça, surtout ça servira à rien en soi puisque je ne vous montre pas tout là. Et pour ceux qui vont me demander bah, combien coûte le setup, la vérité j'en sais rien. Et encore une fois, j'ai pas envie de faire l'inventaire de chaque chose qu'il y a là-dedans. Je vois pas l'utilité à le faire si ce n'est pour mettre dans le titre de la vidéo « Waouh, setup à 20 000 € ou 30 000 €». Bon, il y a au moins ça j'imagine. Hein. Bref, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bienvenue dans mon petit chez-moi, mon petit studio. Sachez en tout cas que tous les setups que j'ai fait, voilà, il y en a où ça me tient beaucoup à cœur, hein. C'est très affectif, l'ancien setup avec le mur bleu et tout ça, et puis celui que j'ai fait après avec les mousses acoustiques et tout, voilà, j'en suis fier. Mais pour moi, celui-ci, c'est vraiment l'accomplissement de ma chaîne YouTube depuis le début, parce que j'ai mon petit espace pour moi, il doit faire 25 mètres carrés, je crois. J'ai tous mes rangements pour exposer tout ce que je veux, j'ai mes setups, j'ai mon truc qui est convertible, voilà, pour pouvoir tourner là et faire mes montages là. On dirait que je vais partir en freestyle, voilà, je commence à faire des moves, dans 2 secondes, je fais de la tectonique ici. Mais en tout cas, accomplissement, fierté, et surtout, je m'y sens hyper bien, je suis vraiment super content de pouvoir tourner mes vidéos là, de pouvoir bosser, de pouvoir entreprendre des projets ici. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, un maximum de pouces bleus, un maximum de likes, de commentaires, partagez-la aussi si vous le voulez, hein. Ça m'aide beaucoup mine de rien. Et la prochaine étape, bah, ce sera du coup le setup qui est dans ma chambre, mais lui, il y a encore beaucoup de boulot parce que je dois repeindre beaucoup de choses, je dois rajouter beaucoup de choses. On n'y est pas encore, mais je dirais que dans 6-7 mois, je pourrais vous sortir une petite vidéo sur ce setup-là. Bref, comme je l'ai dit, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens. Et gros remerciements à mon cadreur robot pour la vidéo qui, je suis sûr, vous a pété les yeux.